l'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la cinquième leçon du trimestre intitulée « Quelques excuses pour échapper à la mission ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de Pierrot. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous sommes contents pour le privilège que nous avons, pour que nous sommes capables de présenter le son qu'on m'a donné à nous. Maintenant, nous avons besoin d'accompagnement dans ce Saint-Esprit pour que les petits garçons et petites filles savoir Dr. Étienne, Dr. Louis-Jean et ce Alain, et ton serviteur, pour que le son soit bon nous pour nous faire, que l'Esprit passe à travers de nous-mêmes pour que nous présentions le selon nous-mêmes. Et comme ça, amis, nous avons fait action au capital de nous à travers le monde. Nous allons faire provision pour nous préparer, nous voulons vivre, nous allons après, pour nous acclamer comme moi et Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la cinquième leçon du trimestre, ayant pour titre « Quelques excuses pour échapper à la mission ». J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi, aussi à tous nos chers amis auditeurs et auditrices, une fois de plus, nous souhaitons bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, il est dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Maintenant, nous sommes capables de comprendre que et tout le monde que bon Dieu appelait à la mission, il n'a pas fait même effort et il n'a pas agi même gens. Il n'y a pas à recevoir appel dans même gens. Par exemple, Noé Abraham, il était soumis à roi bon Dieu. Cependant, Noé Jonas, un exemple de yon moun qui pas fait accommodation, il pas soumis à appel que bon Dieu te fait aller maintenant. Contrairement à Ésaïe, dans verset à réciter 1, qui dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Maintenant, nous voyons que les bon Dieu et les Jonas, pour Jonas à prêcher à Ninive, à prophétiser et contre Ninive, la capitale de la Syrie, parce que peuple Ninive, Ninivitio, c'était des gens qui étaient méchants. Ils étaient corrompus, ils étaient corrompus. Et bon Dieu, ouais, ça trop. Bon Dieu te prend décision pour la détruire. Cependant, comme toujours, bon Dieu toujours voyez yon moun pour aller se sauver et li choisi Jonas. Maintenant, nous voyons que voyage que Jonas te doit faire et nan capital côté que ville côté que et Jonas te yé pour que li aller à Ninive, c'était seulement 900 km de Jérusalem à Ninive. Cependant, et l'idée doit passer un mois, par exemple, pour faire voyage, non. Mais Jonas l'y refusait parce que le connaît qui j'en peuple Ninive, non, yo méchant, il voit que ça va faire pour que bon Dieu a essayé et épargner yo à la destruction. D'ailleurs, monsieur content que bon Dieu va le détruire yo. Donc, monsieur prend payer en fer, il paye prix pour l'aller juste à Tarsis. Puis, écoutez lui en pile temps. Et d'après l'histoire, c'est 3 000 kilomètres pour aller à Tassi. Ça veut dire que nous voyons que voyage pour aller à Ninive te pi coûte. Cependant, pourvu que le peuple que peuple n'a sauvé, donc il prend décision pour le faire long voyage ça. Maintenant, nous capables ouais vraiment avec ce moins que et Jonas
li te rebele apel, li te prezante ekskuz, anpil ekskuz, e nou pral wè sa, anpil ekskuz ke Jonas prezante pou ke l pa ale a Ninive. Sa fè nan pwemye parti le son wan, e ki parle parti dimanche ki 29 oktob, nou ekskuz, la peur, nou ta va mande a Pasteur Wilfried, ki sa ke l kapap di nou de la peur ki san se yon ekskuz de Jonas. Et merci, Pasteur Etienne. Nous voulons saluer le panel là et tout auditeur, auditrice, la vérité présente. Leçon ça, c'est contraire à leçon 4. Nous avons leçon 4 là, qui t'a des aspects positifs, qui ont chrétiens, qui ont leaders, qui ont membres de l'Église supposés gagner. Mais leçon ça, positivement, a des aspects négatifs, nous avons gagné tout. Bon, vous voulez. Négatif là changé en positif. C'est ça que fait auteur écrit livre là sous l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, nos et c'est jeudi à ce dimanche 29, nos excuses, la peur. Tout d'abord, frère avec soeur, qui ça la peur? Yo, peur, c'est mon qui a un sentiment d'angoisse qui est éprouvé en présence de quelque chose ou c'est penser d'un danger imminent, réel ou supposé d'une menace. En plus, mon peur. Il y a des côtés où vous voyez, il y a des côtés où vous allez prêcher, mais ils ont peur. Il y a des devoirs que vous allez faire où on peut. Est-ce que c'est peur ça? Qui peut en parler là? Vous ne comprenez ça bien? Parce que Étienne fait introduction sous Jonas. Ninive et Tarsis, Israël. M'a invité nous pour nous lire. Texte yo ba nou li yo parce que très important pour comprendre. Mais m'a pris un texte, m'a remis et m'a pris un petit temps pour me un texte pour me comprendre quand la peur a sorti. N'a plus seulement dans Naum 3, verset 1 à 4, et n'a plus est-ce que Jonas te doué? Ça, problème qui te posé. Malheur à la ville sanguinaire. Dans la Bible, ça plein de mensonges, plein de violences. Et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Ça veut dire, moun kap volé après moun ki babou. Ça kap passe en Haïti là même, Zinglendou. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Mais frère, lorsque son prédicateur doit aller dans la ville, ça, ou qu'on est ville, ça, son mauvais ville, ou qu'on est ça qui a passé en dans la ville, là, c'est une discussion sous l'un roi. Dans deux rois, 17, c'est une guerre entre Ninive avec les Assyriens. Ils ont assiégé Samarie. Donc, toujours, il y a un problème entre Israël avec la Syrie. Et Ninive, c'est la capitale assyrienne. Mais, vous comprenez? Jonas, dans une situation comme nous, ça, son paquet méchant, paquet volé, paquet loup-garou, paquet adultère, paquet bandit, il dit dans les rues de Ninive, regardez, c'est la chérie, bois, Michel a fait violer comment tuer le monde. Ton plaisir pour mort cadavre dans toute la terre. L'histoire dit nous, Sennacherib, qui était considéré, c'était une grande ville qui était gagnée, et Michel construit la ville là, la ville là, la étale, comme si capitale la ville plus grande, tellement monsieur grand, ville ça grand, ville grand. Pouvoir monsieur tellement grand, et qui crime qui gagne, ou à marcher dans l'ennemi pour n'avoir calotte avec poisson. Chaque n'a pas de calotte avec poisson. Et Jonas connaît tout bagay ça. Jonas dit, bon Dieu, pas mal les tasses, si tout, moun sa au pissage. Mais bon Dieu, il y a petit de tout côté. Et monsieur, il y a la peur. Et peur, monsieur, a été certain. En pile dans nous-mêmes, là nous lisons l'histoire ça, nous dit Jonas, c'est un mauvais prédicateur. Tandis que nous faisons même action à Jonas. Combien de Hélas. fois nous voyons le district, nous trouvons le district à trop petit. Il n'y a pas comme arrête nous. Combien de fois on a prêché au monde, nous avons monde sa salle. Et permettre que me dit, nous-mêmes haïtiens, nous faisons même bagage Jonas. Si on ne pas tout bon, nous ne pas baptiser, nous ne pas convertir. Nous besoin de monde qui tout bon.
Moun vin l'église al gon ti bout jup, nou gade le mal. Li pen tèt li an tres, nou pa gade le mal. Bon Dieu voye Jonas al kote pa bon an, kote gen criminel yo, kote gen assassin yo. Jonas peur. Mais nous même tout, nous fait même bagarre là. Donc je dis hein, malgré tout, nous fait pour nous connaître bon Dieu gen moun ni tout côté. En tant que leader, nous n'avons pas peur. En tant que pasteur, nous n'avons pas peur. Parce que les bons dieux de nos côtés, li avec nous, li devant, derrière, sous côté, la protéger nous. Mission de nous, la accompli. Ça va veut dire nous n'avons pas de problème, mais la accompli quand même. Ça veut dire que nous ne pouvons pas ça en plus en profondeur dans le reste de son. Hein. Ça veut dire que à fait peur, non. C'est ça que fait auteur dans mettre comme ça. Sans excuse. Parce que même lorsque il y a un bagage qui peut faire peur, tout bon vrai, j'en peux se décrire. Mais si que vous croyez que c'est bon Dieu qui a appelé, c'est bon Dieu qui voye, et bon Dieu avec vous la prend soin, donc peur ça qu'on a supposé, il suppose renverser. Il passe si qu'on utilise, donc il se tient en excuse. Parce que bon Dieu est capable de faire ou remporter la victoire. Oh, ça a l'air, nous n'avons excuse net, je dis. De fausses conceptions. Sans qu'à dire nos excuses, de fausses conceptions. Moi, prends plaisir pour moi saluer nous. Moi, content ensemble avec nous. Moi, saluer tous les amis auditeurs nous qui prennent gagner possibilité pour et suivre le son ça et puis partager avec l'autre ami nous. Oui, et on l'autre excuse, autre que la peur. Et yo présente nous les fausses conceptions comme étant une autre excuse. Et très souvent, nous-mêmes, nous choisissons une série d'excuses qui pas réelles. Qui ça qui fausse conception? Fausse conception, c'est un coup, un bagay qui contraire à ça qui vrai. C'est un bagay ou penser et qui t'a semblé vrai mais qui pas vrai. Donc qui ça encore nous capable dire c'est un bagay qui dissimulé vrai et ou bien vrai bagalan bien et réalité. Donc lorsque comme histoire a commencé avec Jonas, lorsque Jonas connaît la même li refuser aller à Ninive, li prend route pour aller à Tarsis. Et bien lorsque il arrivé sous la mer, ça passé. Il fait payer voyage là vraiment, il paye une forte somme et d'argent pour lui faire voyage là. Et pendant que il est sous la mer, mais tempête est déclarée, gros tempête. Et à qui ça vous pensez? Vous pensez que c'est diable en mer qui est pas le voyage là en fait, et ça fait et marin yo monde qui t'a conduit bateau yo dit comme ça que ah qui ça passé qui ça qui cause que monde diable en mer révolté contre nous. Donc c'est ça yo te connaît, c'était conception par yo. Ouais, mais et par contre Jonas lui-même qui ça le fait malgré tempête et la mer mauvais lui-même il était descendu dans fond la mer dans fond bateau là dormi et les messieurs ont remarqué que pas trouvé Jonas yo a réveillé Jonas pour demander Jonas ça qui passé bon est-ce que lui-même n'est pas tenu compte de ça qui a passé sur la mer. Mais Jonas, c'est vrai, il a gagné conception ça tout. Il a connu que la mer a gagné des mondes là-dedans qui t'a révolté. En tant que bois, il a connu que les fonds barrés qui pas bon. Et nous, qu'il était conscient, ça c'est une qualité. Il était conscient que le bon Dieu te voyait à Ninive et lui-même, il désobéit. Donc le fait que bon Dieu il désobéit à bon Dieu, il connaît bon Dieu qui a révolté contre lui, il connaît bon Dieu qui a fâché contre lui. Donc il était accepté que c'est lui-même qui est en tort. Et nous que monsieur Marie va le tirer au sort et sous qui le sort là va tomber sous Jonas. Et qui là au moment de Jonas qui ça là au moment de Jonas qui ça pour faire, Jonas dit nous mettre la game dans la mer. Et nous que malgré yo même c'est des païens que yo teye, mais yo te reconnaître puissance bon Dieu. Yo pas de vle prendre serviteur bon Dieu en consent ni la gueule dans la mer.
yo prié, yo mandé bon Dieu pour bon Dieu pardonner yo du sang de Jonas avant que yo la gueule dans la main. Et nous connaissons le reste de l'histoire, côté bon Dieu pour envoyer poisson pour capable valer Jonas et puis et almener Jonas côté Jonas lui-même li pas vle aller. Donc nous voyons que Jonas li tap couri tant que pasteur il faut se dire lui il connaît l'amour et la miséricorde de Dieu. Il connaît une fois que les prêchés moun yo ka converti et une fois que moun yo converti, bon Dieu pas détruit Ninive encore. Or message lui c'était ça, aller avertir et peuple Ninive là que li pral détruit ville Ninive à cause de péché yo. Nous même gens nous-mêmes tout, nous gagnons l'évangile pour nous annoncer. Faut que nous pas peur annoncer de ça qui a tant de monde nous. Nous très souvent nous peut annoncer message là c'est en réalité lié, nous doit annoncer au monde ce qui attend ou bien ça qui attend si que nous pas converti si que nous pas préparé nous pour le retour de Jésus. Jonas t'a oublié que le monde y appartient à bon Dieu. Bon Dieu fait ça le nous pas qu'à détourner de volonté bon Dieu. Ça bon Dieu voulait réaliser hein, que nous voulons, que nous pas voulons, la réaliser. Nous pas qu'à le cacher pour bon Dieu. Pas grand nous capable faire compte volonté bon Dieu. Et nous voit que on l'autre bagaille. Succès travail nous, succès et travail que bon Dieu mande pour nous faire, li pas dépend de nous. Li dépend de bon Dieu. L'essentiel c'est que bon Dieu voyait nous à l'accomplir en mission, nous supposer décider à accomplir mission que bon Dieu lui-même li ban nous pour li accomplir. Le bon Dieu voyait nous, c'est pas que l'on voyait nous pour compte nous. Non, il mande nous pour nous coopérer avec lui. OK? Nous-mêmes nous gagnons seulement pour nous accepter coopérer avec bon Dieu et puis tout travail nous li a réussi. Donc nous voyons que Jonas te gagne vraiment de fausses conceptions nous capable dire. Même Jean avec Marie autour de gagner des fausses conceptions par Jonas c'était des excuses qui ont été pour pas aller à Ninive pour pas aller prêcher l'évangile là. Mais bon Dieu t'a choisi Jonas pour aller faire travail là. Puisque t'a choisi Jonas pour aller faire travail là, lui utiliser Jonas quand même malgré Jonas pas décider faire lui. Donc et nous pas cap chercher excuse ou non bay bon Dieu. Wol nous bon Dieu voyez nous c'est pour nous aller. Pas excuse. Pas excuse. Waouh. Parce que c'est pas excuse non, j'ai pas là. Mais on dit nos excuses trop de tracas. Comment m'expliquer nous ça? Parce que pas elle dit pas excuse. Et parti mardi qui 31 octobre. Donc nous connaît l'histoire de Jonas à côté que les en baleine un gros poisson valéli à cause de désobéissance li. Cependant bon Dieu a un plan, bon Dieu toujours un plan, même lorsque nous refuser, même lorsque nous pas soumettre nous, les bon Dieu veut faire nous bon bagaille et puis c'est pour sauver l'autre la fèl. Donc nous voyons qui s'est arrivé. Maintenant Jonas après que baleine fin retiré Jonas dans ventre donc nous voyons que Jonas prend détermination pour que lui finalement aller à Ninive. Monsieur arrivé à Ninive, maintenant nous voyons que monsieur commence à prêcher. Trop de tracas. Qui sont tracas? Un tracas c'est lorsque on a ennui. C'est lorsque on a pile difficulté. Lorsque on a un embêtement, c'est ça qui est un tracaille. Ça veut dire, même lorsque nous jouons en pile difficulté, nous pas supposé utiliser comme une excuse. Parce que nous voyons que malgré sentiment personnel que Jonas te gagne à l'égard des Ninivites, nous voyons que lorsque Dieu finit par s'étendre en vente poisson,
Nous connaissons l'histoire non, lorsque baleine nan li met monsieur dehors, monsieur a pris un petit repos en bon petit pied bois, monsieur fatigué, un petit repos et puis pied bois séché. On rappelle nos histoire non. Et bon Dieu permet que monsieur capable comprendre. Monsieur a plaigné au petit pied bois que le tap paré soleil qui séché et puis la plaigné. Donc bon Dieu montre monsieur que si on plaint pour ça, est-ce que c'est ou te créé? Qui j'en fais aucun problème, si que moi prends détermination pour me sauver et peuple Ninive. Non. Donc, bon Dieu fait, monsieur, ouais, en pile bagay, monsieur grandit, non capable dit. Jonas grandit. Maintenant, le monsieur arrive Ninive, donc, lui a accompli mission, lui prêché, et non, ouais, vraiment, peuple Ninive, non, il a converti. Il a repenti, et bon Dieu épargne à la destruction. Si que nous lis l'histoire, non, nous capable ouais, que même, ouais, Ninive, non, li décrété yon moment de jeûne même animaux tout moun tombé nan fè jeûne OK parce que wani nivan li té vraiment soumet et nou wè à cause de repentance yo soumission wani nivan avec habitant nivan et ben nou wè que bon Dieu li épargné ville. Maintenant qui leçon que nous capable apprendre là trop de tracas li pas supposé excuse. Et pasteur Wilfrid Talen il dit dans partie qui était parlé de peur. Maintenant lorsque nous gagnons une mission pour que nous allons accomplir. Par exemple nous gagnons une campagne d'évangélisation par exemple dans zone. Nous gagnons une pile dépense pour nous faire. En pile dépense, nous gagnons énergie pour que nous capable de dépenser en pile énergie et nous passe en pile temps pour que nous préparer sentier hein? Donc pour que nous offrir ça que nous allons offrir hein? Ça veut dire pas rien qui jambe facile tracas difficultés ennui pas supposé yon excuse pour que nous accomplir mission donc c'est ça que nous le sens ça que nous devons apprendre donc nous capable que Jonas li wè que puisque peuple nan méchant donc il y a pile sacrifice pour le faire et pour que le capable aller ville risquer etc donc en pile tracas que le cas joigne donc tout ça non seulement la peur de considérer comme une excuse pour lui et non seulement l'idée qu'une fausse conception de habitant yo mais aussi l'idée qu'un peur de parce que le capable jouer en pile tracas en pile difficulté donc c'est ça qui fait que lui prend comme une excuse. So bonne nouvelle là l'été prêché quand même malgré faiblesse Jonas. C'est comme on connaît finalement Jonas a accepté d'y aller. La bonne nouvelle a été prêchée. Peuple n'attendait, yo prend conscience, yo repenti et yo te sauvé. Donc je dis hein, question que nous capable poser à nous-mêmes, à moi-même, qui genre de sacrifice que me dois faire? Qui genre de sacrifice que ou dois faire pour que on capable pénétrer nos zones et prêcher l'évangile? À qui genre de peur que vous capable rencontrer pour que vous capable remporter la victoire, mettre la peur ça de côté. Qui genre de tracas ou espérer qu'on va joindre, difficulté que vous espérez qu'on va joindre et ou mettez au de côté pour que vous capable entrer prêcher l'évangile là. Et pour que ça fête, il faut qu'on ait totale confiance en Dieu. Il faut qu'on fasse bon Dieu confiance totalement. Quel que soit le problème que vous prévoit, si vous faites bon Dieu confiance, ou quoi que c'est bon Dieu qui a appelé vous pour mission, et bien vous pouvez aller sans que sauter parce que bon Dieu a vu et vous avez remporté la victoire. Et nous, c'est ça qui est arrivé. Finalement, Jonas allait et il sauvait le peuple de la destruction. Amen. Et nous, que Jonas a gagné l'autre excuse encore malgré les prêcher. Peuple sauvé de la destruction, il va jouer une autre excuse encore. Nos confrontations, des confrontations pénibles. Pasteur Jimmy, qui sont capables de nous de partir ça? Encore, nous saluons, sur Allen, nous saluons l'Espagne là et tous les amis qui prennent le temps de leçons ça. Et n'a pas dit ça. Et nous voyons que, excusez qui ça a fait, qui problème qui a eu le et aider nous comprendre tout dans chapitre 4 là dans Jonas montrer comment l'Éternel voit gain privilège gagner
que Jonas fait reconnaître que tout ça qui fait Dieu, c'est choual. Ça va bien arriver jusque là s'il te fait directement ça, bon Dieu, te mande là. Et ça arrive souvent, maintenant que, excuse-nous, yo fait nous des bagailles, que nous fait des confrontations que nous ne pouvons pas joindre, qui vraiment Dieu et qui cause nous. Et ça fait, monsieur, d'aller plus loin pour faire prier ça, et qui réitérer dans Exode 34, verset 6, pour l'abdi l'Éternel, et à partir verset 2, il dit, il implora l'Éternel, lui, et il dit, et à Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, et ce n'est que je voulais parvenir en fuyant à Tarsis, car, il dit, car je savais que tu es un Dieu miséricorde, compatissant et miséricorde, excusez, lent à colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Daniel a fait éloge, comment dire. Il y a des problèmes arrivés mal, qui pas d'arriver là, ou obligé de faire éloge, dans le sens que vous avez regagné l'Éternel, quand ils sont Dieu compatissant, que l'Éternel a toujours répondu avec besoin. Qui se pose non, que dit, mais, n'est que ça n'a pas le jeunesse là même. Qui ça pas aller bien la cage Jonas? Et nous comprenons bien le texte a dit que Jonas n'était pas content avec le choix que bon Dieu t'a fait de lui, comme parce que Louis-Jean Etienne et ce Alain déjà a dit. Non, mais c'est pas content parce que j'ai un problème, si tout façon que mon auteur dévasté pays, de là, ça a un problème pour lui. Donc, Jonas était tellement de haine pour ça que bon Dieu voulait faire. Et de là, étant sa vie, je suis fâché, je suis levé, je suis boudé, je suis dit, bon, le temps, c'est pour moi-même qui pourra le faire, mission, ça ne m'a pas râlé. Et me rappeler mon leçon plusieurs fois passé, parce que lui, je me rappelais, pas oublié, non? Il dit que c'est un plus gros évangéliste qui fait plus gros espoir dans la mission. Il a vraiment commencé mal. Mais il n'est pas arrivé fini, non, magnifique, ouais, que nous, ouais, que bon Dieu sauvé, il va arriver, fait ça, bon Dieu, mandel. Ça, bon Dieu, jusqu'à présent, Jonas lui-même, qui était de désir, pas d'aller à Véninive, il était fait dérouter, lui, j'ai pas ce temps de dire non, que là, l'on côté qui est différent pour le capable de dérouter le plan de Dieu. Mais de là étant, bon Dieu fait tout ça pour le faire, pour entrer dans la conscience, monsieur. Et bon Dieu, aller plus loin, là, monsieur vivait dans l'île, là, le fait, monsieur, ouais, des visions que de gagner, comment expérience monsieur Feyo vin fait Jonas reconnaître que vision bon Dieu vin déformer déroutée de Dieu, mais ça pas le dit que bon Dieu pas s'il gagner initiative pour sauver l'humanité, parce que plan de Dieu c'est tout le monde net, c'est pour les gagner peuple tout côté, et bon Dieu fait des miracles pour le pousser vin arriver fait bagarre monsieur pas moi. Bon Dieu fait une plante, levé bas, monsieur l'ombrage, monsieur sentit content. Et comment ça va là? Et là, dans deux heures, l'on soif de l'eau, l'on vient de l'eau, comment importance de l'eau. Là, monsieur lui-même, qui vient normalement, monsieur besoin l'ombrage. Et de là, bon Dieu fait joindre l'ombrage là. Et dans l'ombrage, ça, bon Dieu fait le jeûne après, bon Dieu fait l'ombrage, monsieur la boule plante là. Ça, monsieur vient irrité, monsieur vient content. Et là encore, Jonas vient sentir nerveux. Au lieu de comprendre, ça que mon Dieu a fait, oui. Mais au contraire, et plante la tête là pour faire monsieur une leçon. Et de là étant, on fait comprendre quand dans la leçon, et bon Dieu fait le ouais, et Jonas vient sentir son air qui pas gain, qui fait maladie, non, ça va, j'en ai dit là, il ne jacquine, mais oublié. Ça, mon Dieu fait de là étant, bénédiction, mon Dieu que le jouit, et par conséquence de ça, monsieur vient commencer, ouais, plante ça que tu mouria, et monsieur vient te vivre dans le colère, vient estimer que. Ça, mon cher l'Éternel, pas prendre. Premièrement, on fait venir un pays qui me paraît, mais qui fait mal. Maintenant, qu'on fait ça arriver. Mon cher, par contre, soit faire avec moi, de là étant de là. Et monsieur, pas venir rendre compte après expérience à le faire, mon Dieu, parle avec Jonas, on voit qui douce, fait une sensibilité, monsieur, mon cher Jonas. Et j'en compte pas là, j'en sensible là. C'est comme ça, tout, oui, sensible pour le peuple, ce niveau là. Et de là étant, monsieur, venir comprendre force et vin fait ça, il va vouloir aller faire. C'est sa volonté, mon Dieu. Aïe, l'homme la foi, c'est pas toujours fait ça ou vouloir, mais c'est ça qui compte à ça, mon Dieu, m'a dit qu'il veut faire, qui réel, qui c'est la volonté de Dieu. Even though, ouais, que l'a dérangé toute théologie, conception qu'on gagne, mais c'est la volonté, mon Dieu, qui doit faire, parce que, bon Dieu, ils sont Dieu, qui fait ou même libre tout ça qu'on a besoin pour ça faire. De là, ils ne sont pas tellement finis, tant qu'elle pas fini, ils sont après le finir avec nous, je dis. Parce que pour qui ça, à la fin, nous venons comprendre que monsieur prêché. Milliers d'hommes et femmes, roi bête, mon Dieu fait appel à monsieur. Et belle bagaille, oui, réveille la fête,
Mais moi, tout vient nécessaire, fait 3 jours pour ça, pour tout le monde tomber dans le réveil, pour humilier, mettre des sacs sous yo. Et je dis, ah, et Seigneur, ça l'église là. Et non, même lorsque bon Dieu, bah, nos missions, leçon dit, pour ne pas après excuse, les pasteurs annoncés n'ont pas fait visite, n'ont pas sorti, on y faut qu'à fait, nous bout de bouche, nous comme si nous pas sorti, et puis demain pour nous prêts, pour nous avoir compromis, ça, bon Dieu, m'a dit pour nous faire avec travail, qui est pourtant que ça, bon Dieu, bah, nous. D'où, dans la leçon, nous montrons, quelle soit excuse nous prenons, nous t'avons cherché, ça n'a pas jamais excuse devant Dieu, parce que si bon Dieu t'a pris excuse pour nous battre là, nous avons bien bouche pour nous dire bon Dieu, pour nous dire bon Dieu, excuse-moi, mon Dieu, mon cher, l'éternel n'est pas capable de nous dire madame, moi, ceci, monsieur, cela. Non, mon Dieu voulait que, ou même pour prendre une responsabilité, ou à savoir que ça a demandé pour nous faire, pour que moi-même je dis, l'histoire ça, que Jonas avait prêché repentance là, nous-mêmes tout, réussi ça à venir finaliser nous pour que nous prenions décision, pour nous faire souci de nous-mêmes, des mondes méchants, pour nous dire qu'il te voit à faire, y a même pour qu'avin accepter Jésus, pour que vraiment, pour que l'évangile a prêché à travers le monde entier. D'où, parole a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde pour servir de témoignage, alors viendra la fin. D'où, c'est responsabilité PAM et par nous pour que nous prenions engagement, nous, pour nous prêcher l'évangile, pour ne pas prendre excuse. Parce que excuse, ça, yo, y a pas des problèmes qui a dû, que nous pas prendre, que nous pas habituer, qui a cause, non, on sait des problèmes arrivés. D'où nous apprendre, je dis, pour que nous pas excuse. Nous obéir avec parole de bon Dieu sans comprendre et c'est pour bien être non que nous apprenons comment mon Dieu va le servir avec nous. Bon, et docteur Lujan, même bien c'est à ma demande de vous parler non. Qui s'appelle mon bain de lui dit? Dit non. Oh, c'est à l'excuser. Merci en pile. Parlez non, ben allez. Ou bien dit question amnésie que Jonas a gagné parce que c'est un jour oui c'est un jour oui Pierre ici en prend pour les pour les pousser pour, pendant un jour Pierre ici en pousser les bords l'ombrage et puis et puis dans demain on pas jeûner et puis pour fâcher pour nerver pour qu'il n'est pas content comme ça. Donc, c'est donc une très belle leçon que bon Dieu a besoin de bail. Jonas, leçon a bien passé. Donc, comme nous connaissons, bon Dieu lui-même, il a besoin de bail de leçon. C'est extraordinaire. Tu as l'air de mettre un peu de bail de là. Non, je peux boire après pour le grandir. Et tout le monde connaît combien de temps je peux boire après pour le river dans le seul river. C'est le miracle de Dieu. Et monsieur, de là, c'est ça que je vais demander, si pas ce que tu dit après, la venir après, et puis pour nous capables de finaliser le son. Docteur Louis-Jean, le son lui parle nous dit, me voici. Est-ce que ça, c'est un impératif? Envoie-moi. Comment nous devons comprendre, me voici ça? Est-ce que c'est... Comment nous devons comprendre en général? Juste pour nous comprendre clair. Me voici, envoie-moi. C'est le son jeudi qui 2 novembre, nous saluons frère Noyo, nous t'aimons dit nous, me voici, envoie-moi. C'est parole ça au côté nous joindre. L'histoire Jonas là vraiment son histoire qui extraordinaire. Qui vraiment vraiment chargée avec exemple, avec le son. M'a posé des questions ça, comment bon Dieu choisit pour sauver un peuple en dépit de mauvais témoignages, Jonas fait un peu ça. Moi-même, avec nous, nous nous limiter dans sauver le monde. Nous pas qu'à sauver le monde, nous pas mourir pour le monde, nous pas qu'à sauver l'église, nous pas mourir pour l'église. Bon Dieu, utilisez-nous comme agent pour nous capables de porter témoignage. Mais travail là, c'est bon Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit le monde, qui change le cœur du monde. Nous ne pouvons pas rien que nous avons fait dans le cœur du monde. Nous ne pouvons pas le cœur du monde. D'abord, nous tous ne sommes pas bons que nous y tout. Nous ne sommes pas pécheurs que nous y tout. Mais bon Dieu choisit des pécheurs pour aller faire travail à l'autre pécheur. C'est bon, le son nous utilise pour ça. Lorsque bon Dieu fait nous tout appel, lorsque nous lisons dans Isaïe 6, verset 1 à 8, n'a pas capable comprendre passage ça côté nous me voici envoie-moi pas vrai bon Dieu a cherché des volontaires qui bien disposés pour tendre appel pour aller dans direction ça bon Dieu dit pour nous faire en pile là nous même échoué dans l'œuvre non c'est parce que c'est vrai nous tendre appel là mais nous ne fait pas nous même avec Jonas appel là vient joindre nous
Au lieu que nous faisons ça, mon Dieu, pour nous faire, nous traiter le peuple à mal. Nous traiter, nous aller dans la direction, pas nous, nous pas. Mon Dieu, besoin de gens qui ont des oreilles, qui n'entendent pas de voir, mais pour obéir, pour soumettre, même avec Abraham. Et quel que soit ça, mon Dieu, avec nous. L'histoire de Jonas là, il révèle nous l'autre bagaille. C'est l'amour, mon Dieu, gagné. Mon Dieu, gagne l'amour pour tout le monde qui vit de tous côtés. C'est ça fait un message adventiste là. C'est un message au monde entier. À toute nation, tribu, peuple et langue. Quel que soit côté monde dans la situation, mon Dieu, t'a aimé monde sauvé, t'a aimé tout le monde sauvé. Qui t'a aimé monde tant de voile. Bon Dieu, gagne pitié pour Ninive. Il gagne pitié pour des millions de monde qui vivent en milieu. C'est la ville qui est plus peuplée dans l'époque, qui est plus grande. C'était Cancun, États-Unis d'Amérique. Bon Dieu, remet les États-Unis d'Amérique qui recevaient 72 000 Haïtiens dans seulement 6 mois. Tandis que son pays gagne pile péché. Bon Dieu, remet. Bon Dieu, remet l'Amérique. Bon Dieu, remet nous. Bon Dieu, remet la France, le Canada. Les collègues gagne pile péché. Bon Dieu, remet tout le monde. Il t'a aimé, moi, avoir prêché l'évangile là. Avec l'amour, avec détermination. Lui-même, l'Esprit de Dieu a fait ce travail-là. Il dit les gens de Ninive, pas de connaître ni bord gauche, ni bord droite. Ah, comme pas connaître ni gauche, ni bord droite. Pour mon Dieu, mon Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, pas la connaître pour le voyer, pour le sauver. Parce que c'est, Ninive, tant de paroles à la convertir. Je n'ai pas dit, comme prophète éternel. Mon Dieu a cherché nous, pas de excuses. Par exemple, pièce excuse nous qu'à avancer pour nous faire travail, pour nous qu'à dire bon Dieu pour travailler pas marcher. Bon Dieu choisit nous, lui charger nous nos missions, quelle que soit la situation, hein, Dieu nous s'est accompli mission. Mission qui paraît difficile. Mais pas oublier, moun ki ba nous mission, plus grand que mission. Et c'est là, lorsque Esaïe dans la même situation, hein, lorsque le peuple Israël dans la même situation, hein, bon Dieu besoin de monde. Il dit qui ira? Et puis ça passe. Esaïe répond, me voici, envoie-moi. Appelle la tête à nous chaque comme pasteur ancien, membre de l'église, dirigeant. Bon Dieu, il y a des milliers de personnes dans ce monde. Pas une excuse parce que je me fâche l'église, parce que tu as parlé mal avec moi, je te manque des gars, si mon église n'est pas bien éduqué, je ne parle pas. Mais frère, nous pas une excuse pour nous prêcher l'évangile. Nous même qui avons des chefs de département, qui avons des départements que le pasteur ou pas fait élection, si bon Dieu, nous capacité, nous connaissance, si nous savoir, pour nous capables de diriger. Pas d'excuse parce que nous avons un problème avec nos soeurs. Pas d'excuse parce que nous avons un problème avec l'administration. Pas d'excuse parce que nous avons un problème avec nos frères, avec nos amis, nos cousins. L'église, ça va bon. Non. Bon Dieu, choisir. Bon Dieu, abord. Toute qualité, d'abord toute compétence, d'abord toute protection, d'abord tout savoir pour mission en réaliser et bon Dieu lui-même a fait tout bagage marcher. Bien, ça veut dire nous devons pour que nous capables répondre tant qu'au Esaïe à l'appel de Dieu. Donc je dis en même appel sa fête, qui enverrai-je, qui marchera pour moi. Donc nous devons pour que à l'instar d'Esaïe pour que nous dit me voici, Seigneur, envoie-moi. Quelle que soit la difficulté que vous prévoyez, la peur que vous gagnez, quelle que soit la conception que vous gagnez, donc vous devez obéir et aller, et bon Dieu, toujours avec vous pour remporter la victoire. Bien. Le bagage qui dit que vraiment peur, que Ellen White dit que j'ai peur, c'est que, quelle que soit excuse ou avancée, ou à payer conséquence irresponsabilité. Yes. Donc, je pense que ça est vraiment important pour que nous comprenions ça. Donc, nous avancer des excuses. Excuses en pile. Nous avons toujours joué, mais il faut nous penser à conséquences. Conséquences et excuses que nous avancer. Bien. Mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la cinquième leçon. Du trimestre qui dégaine pour grand titre quelques excuses pour échapper à la mission. C'est belle leçon. Donc, nous apprenons en pile. Côté que dans la première partie dimanche qui devint 29 octobre,
Le pasteur Wilfried Jean-Baptiste parle nous de la peur comme une excuse que Jonas t'a présentée. Donc, nous besoin pour que nous capables de prendre et faites attention pour que la peur, méchanceté en ville, méchanceté en peuple, pour pas nuire nous, pour pas empêcher que, pour pas décourager nous, pour que nous pas répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, nous gagnons la deuxième partie qui était lundi 30 octobre, notre bien-aimé sœur Tristan, et te parle nous de fausse conception qui était comme excuse. En pile fois, nous gagnons fausse conception de un monde. En pile fois, nous gagnons fausse conception de un bagage, puisque c'est pas pour que nous pas faire, pour que nous pas aller, pour que nous pas agir, pour que nous pas collaborer. Eh bien, nous gagnons fausse conception. On parle mais tel. Intel son moun ki pa collaborer avec. Intel son moun pa même sens li. Intel son moun ki du. Tout ça c'est fausse conception nous capable gain de yon moun. Je dis dans l'église yo nous en pile moun gain fausse conception de leader. Et nous gain fausse conception de yon frère non sœur non. Donc à nous pas quitter, à nous pas utiliser nos fausses conceptions et comme excuse pour que nous pas accomplir mission que bon Dieu appelé nous pour que nous faire. Et dans la troisième partie, qui était mardi 31 octobre, c'est Victor qui parlait de trop de tracas capable de causer comme excuse. Moi, que Jonas t'a utilisé ça. Parce que t'as envisagé problèmes, tracas, difficultés, que le capable joindre. Et nous, ouais, que tout le bagage, ça y est. Donc, même lorsque il était gay, comme excuse, mais lorsque bon Dieu lui parle des leçons, bon Dieu fait des expériences, finalement, il était accepté, il était entraîné, il était à prêcher et nous, ouais, les gens, ça t'a fait du bien, les gens que peuple te prend conscience, tu t'es repenti et tu t'es épargné à la destruction. Maintenant, la dernière partie qui était mercredi 1er novembre, parce que Wilfried est retourné, pour que il t'a montré nous que excuse et pasteur Jimmy, je m'excuse. Quand que lui montrer nous que confrontation pénible, confrontation difficile que nous capable joindre, eh ben yo ka constituer comme des excuses. Maintenant, nous besoin pour que nous capable faire bon Dieu confiance pour que nous est capable connait que et toute excuse que nous capable présenter yo pour que yo pas valable vrai pour que nous garder fidélité nous envers bon Dieu. Pour que nous accomplissions la mission que nous confions à nous-mêmes. Et dans la dernière partie, qui était jeudi 2 novembre, pasteur Wilfried est retourné, il a parlé, il a donné une petite explication sur nous, voici, envoie-moi. Et pour que nous voyons Abraham, il était fidèle à appel, non? Esaïe, il était fidèle à appel, non? Mais Jonas, lui-même, il a fait un pile réticence. Et nous voyons finalement, il était allé, il était accompli mission. Donc, nous autres, application pour nous, en nous apprendre pour que nous prêts. Pour que nous prêts, pour que nous allions faire travail, bon Dieu, dans l'église qu'on est courrier, dans un moment de nomination. Et lorsque yo nommé ou dans l'opposition, mettons en tête que c'est bon Dieu qui veut ou là pour travail, pour que vous soyez capable d'aider l'église, quelle que soit la position, pour supposer. En suspens, présenter excuse, ou pas qu'à faire tel travail, ou pas aimer telle position, gain l'autre monde avant. Donc, suspens, présenter excuse. Répondre à l'instar d'Esaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Bien. C'est belle leçon, mesdames et messieurs. Nous pas jamais fin guettant pour que nous capables de faire tout commentaire. Vos commentaires sont bienvenus à nous. Donc, vous capables toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans Etienne Mission. Et laissez là un message. Nous disons merci parce que vous avez suivi nous. Et pour que nous capables de terminer, nous avons demandé à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour
le privilège d'avoir ta parole. Merci pour lumière, l'évangile, ça y est. Merci du fait que je dis encore une fois, ou montrez-nous que nous pas de gain excuse pour que nous aller remplir mission que ou ban nou, à savoir prêcher ton évangile à travers la terre entière. Merci Seigneur et merci pour tout auditeur nou yo qui pral gagner pour suivre le son ça. N'a mando Seigneur s'il te plaît, pardonner toute négligence que nous déjà fait yo et ban nou capacité pour que nous capable prendre charge responsabilité nous et donne également possibilité à nous auditeurs pour comprendre cette leçon et également pratiquer dans la vie. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Amen. Vous avez suivi la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la cinquième leçon du trimestre qui te gagne pour titre quelques excuses pour échapper à la mission. Je vous remercie parce que vous avez suivi nous avec attention. Et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jean-Michel Baptiste. Louis Jean-Wilfried. C'est Alain Tristan qui remet nous en pile. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.